Salam alaikum, Ikhwan. Voilà pour vous le vénard pour dimanche 9 juin. Dimanche à Paris-Longchamp. 16 partants. Quatrième course, prix de la place Vendôme, 53 000 euros, handicap divisé, première épreuve, classe 2, la distance 2000 mètres. On commence par les jockeys. Le 1, Pasqui. Le 2, H. Le Bouc. Le 3, Soumillon. Le 4, Hardwin. Le 5, Madamir. Le 6, Pouchine. Le 7, Tepicon. Le 8, Barzalona. Le 9, Alemer. Le 10, Sedimero. Le 11, Gérard Moussi. Le 12, Tebachelo. Le 13, Mademoiselle S. Chuyet. Le 14, Guillaume. Le 15, C. Berger. Le 16, A. Orani. La course des Hingres est mal de 4 ans en avant. Attention au 16, le 16 radif la corde d'Yelou. Le conseil du professionnel Fabrice Chappé, voilà son pronostic est tel que 2, 5, 4, 14. 8, 11, 6, 13. Repéré sur les pistes par nos reporters. Cosmo Bo, numéro 14. 10 à 16 mètres. Terrain probable bon souple. Départ prévu en France à 15h15, au Maroc à 14h15. Dernière minute, le 11. La synthèse du statisticien. 2, 15, 5, 8, 14, 13, 11, 3. L'interdit du tiercé, Monsieur Cassiope numéro 7. Mieux en terrain très souple. Voilà l'opinion du Fabrice Chappé, le spécialiste. Dans ce quintet, je présente Ayam Obelliver, qui reste certes sur trois échecs dans des gros handicaps similaires tout en n'ayant pas forcément connu de bon déroulement de course. Le handicap tarde à le baisser, mais je continue à croire qu'il pourrait bien prochainement refaire surface à ce niveau. Pour l'heure, j'ai surtout besoin qu'il me rassure qu'il faut
qu'il faut l'envisager seulement pour une place. Je lui préfère nettement les conquérants ayant notamment disputé l'arrivée du pré de la Concorde le 12 mai sur le parcours qui nous intéresse avec l'Orcan et Mai Foncé, respectivement 3e et 4e, et Inktot Loria May qui avait bénéficié ce jour-là d'un parcours idéal et qui cette fois devra surmonter une lourde pénalité de 3,5 kg. Méfiez-vous du Cosmos Bow pour lequel son entourage a opté pour cette course alors qu'il devait courir le quintet du mardi dernier. Mon foin, à qui on ne peut rien reprocher, il s'inquiète dans la course de rentrée après quasiment un an d'absence. Le 1er mai à Saint-Cloud n'est pas passé inaperçu. Enfin, Star Rock n'a pas été des plus heureux lors de ses deux dernières sorties et évoluera dimanche sur une piste à peine souple à son anti-convenance. Voilà pour le repérer sur les pistes par le reporter Cosmos Beau numéro 14 déclaré volontairement non partant quelques heures avant le départ. Le gagné de mardi dernier à Saint-Cloud se présente ici avec de légitimes ambitions, comme l'a déclaré son entraîneur Stéphane Sioulet et Thierry Léger. Sachez qu'après en avoir discuté avec son propriétaire, nous avons opté que le quintet de ce dimanche, car Cosmo Beau est bien plus performant en bon terrain, voire à peine souple qu'en terrain très souple. Ce qui était encore la tendance mardi, le cheval est extra, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais aussi à Longchamp. Je le rallonge en étant convaincu que les 2000 mètres ne seront pas un motif d'inquiétude, sa place est à l'arrivée. On passe. Voilà les performances, les entraîneurs et les avis, ou bien les opinions du vinard. Voilà les cotes, les performances et les entraîneurs. Le 1, 15, le 2, 6, le 3, 17, le 4, 14, le 5, 7, le 6, 18, le 7, 20, le 8, 5, le 9, 25, le 10, 18, le 11, 15, le 12, 30, le 13, 12, le 14, 9, le 15, 11, le 16, 30. Le 1, rachetez-le. Le 2, tout est OK, le matin, base. Le 3, à ne pas écarter pour une place. Le 4, en bout de combinaison, 3,5 kg de pénalité. Le 5, va encore faire l'arrivée, totalement retrouvé. Le 6, à ne pas éliminer. Notre consultant insiste. Le 7, difficile, n'aura pas son terrain. Le 8, nouvelle grande performance attendue, notre préféré. Le 9, affaire d'impression. Le 10, à surveiller, propriétaire et entraîneur habile. Le 11, dernière minute, progrès attendu. Le 12, à voir, en demi-teinte de coup. Le 13, notre outsider préféré, à le niveau et aura enfin son terrain. Le 14, de bon bruit, tuyau. Le 15, attention, invaincu avec ce jockey. Le 16, bien en bon terrain et c'est finir ses courses, le regret. Le pronostic du vinage, je choisis 8-2. On leur associe les outsiders tels que 14, 11, 15, 5, As, 13. Bonne chance les amis, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.